Avant de poursuivre le débat sur Sadio Mané, sur l'immobilisme, sur le statu quo, parce que nous y sommes. Regardez le résultat du sondage par rapport à Nicolas Jackson, parce que la question, nous l'avons posée également à nos grandes bouches des réseaux sociaux. Regardez le oui. Est quand même majoritaire. 79% de ceux qui se sont exprimés pensent que ça doit être lui qui doit prendre le lead. On doit construire autour de ce nouveau joueur. On ne peut pas construire autour de ce nouveau joueur. Ce n'est pas possible parce qu'on construit déjà autour de Sadio. Ouais. C'est ça, c'est ça. La vérité, elle est là aujourd'hui. Il a dit ça. On a joué la dernière Coupe du Monde sans Sadio. La dernière Coupe du Monde ne devait pas se jouer sans Sadio. Sans cette blessure au dernier moment, il a dû bricoler à la dernière minute à Liu. Mais aujourd'hui, l'équipe, depuis des années, elle est construite autour de Sadio. Et à la CAN, elle sera encore construite autour de Sadio. Maintenant, comme Sam l'a dit, c'est de trouver les éléments capables d'accompagner Sadio, capables d'être... Combiné avec lui. Si Nicolas Jackson est capable de le faire, bien sûr, il est en forme en ce moment, moi je suis tout à fait d'accord pour, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, l'équipe elle est construite autour de ça. Allez, regardez la liste concoctée par Aliou Cissé. On voit qu'à part quelques nouvelles têtes, les cadres sont là. Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Idrissa Ganagay, Cherou Kouyaté, Sadio Mané, Ismaïla Sarrou, Crépin Diata. Peut-il, Xavier, où doit-il faire des choix forts pour permettre au Sénégal justement d'éviter cette malédiction des champions, d'échanger un peu, de ne pas rester... Il y a des champions d'Afrique qui ont disparu de cette liste. Saliou Cisse, il n'y est plus. Donc il y a un espace à gauche pour un nouveau joueur. Bon, c'est en l'occurrence Bounassar aussi a disparu. Les deux latéraux déjà. Vous changez déjà les deux latéraux. Donc devant, ça bouge beaucoup aussi. Bon, Nicolas Jackson arrive, on verra, mais bon. Donc, il y a Bamba Dieng, on disait qu'il n'a pas confirmé, il n'y est plus. Donc, ce groupe, il n'est pas du tout sclérosé. Il le renouvelle, il le régénère. On n'en a pas parlé, là. Il y a le petit Amara Diouf qui brille actuellement à la Coupe du Monde des 17 ans. Il n'est pas appelé, hein. Et il a déjà une sélection. Il est déjà venu quand on a pris les locaux. Oui, contre le Rwanda. Mais bon, voilà. Donc, c'était une équipe de locaux. Attendez, on ne sait jamais. Ouais. Pourquoi pas faire un coup. Bon. Laissons-le jouer. Moi, j'aimerais bien un peu d'audace. Laissons-le jouer sa Coupe du Monde des 17 ans. Pape Matarsa. Il a déjà été appelé, mais c'est plus le même Pape Matarsa. C'est plus Matarsa. Voilà. Et il y a le petit Lamine Camara. Donc ça va mettre de la concurrence sur les anciens qui sont là depuis quelques années. Est-ce que ça veut dire que. Moi, je vous prends en mot. Pape Matarsa et Lamine Camara doivent débuter dans ce 11. C'est ça les changements majeurs qu'on attend. Au milieu du terrain, il y a Kouyaté et Idrissa Ganagay. Je ne sais même plus s'il est titulaire ces derniers temps. Le dernier match contre le Cameroun, il joue Pape Matarsar, il est titulaire. Avec Crépin Diata. Les deux derniers matchs, il a joué. J'ai dit Pape Matarsar, Lamine Camara. On a vu ce qu'il a fait au Chan, on a vu ce qu'il a fait à la CAN U20 également. Et on a vu ce qu'il a été capable de faire à Metz. Est-ce qu'il doit ou est-ce qu'il fera? C'est la question. Je ne pense pas qu'il fera les deux en même temps, mais le jeu fera qu'il y viendra. Est-ce que quand on a ces joueurs qui sont avec, il y a des joueurs qui ont des statuts, il y a des joueurs qui sont en grande forme, est-ce qu'il faut absolument avoir une équipe, un 11 qui ne bouge pas et je pense que ça peut évoluer dans une compétition quand vous avez beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer titulaires. Moi, je pense qu'ils peuvent être 4-5 à bouger au milieu de terrain. Il faut pas, je sais que vous aimez les choses définitives et qu'on prenne. Qu'on ait un avis tranché. On parle des statuts, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas des statuts à modifier avec des joueurs à installer? Vous voulez le 11 de départ du premier match de la dernière CAN contre la Zambie? Il y avait Keita Baldé qui a disparu. Il y avait Sani Dieng dans les buts. Il y avait Ibrahim Mbaye. Il y avait Papa Abou Cissé qui a disparu aussi. Donc la moitié de l'équipe qui a disputé la dernière CAN, elle n'y est plus. Nicolas Jackson est actuellement l'avant-centre de Chelsea et beaucoup estiment que comme il est l'avant-centre du Chelsea, il doit prendre le leadership du Sénégal. Est-ce que tu es d'accord avec ces jeunes? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Nicolas Jackson. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que Nicolas Jackson doit être au cœur du projet du Sénégal? Est-ce que ça doit être lui la tête de gondole? Est-ce que ça doit être lui le cœur du projet? Moi, je pense que non. Pourquoi je le pense? Parce que Nicolas Jackson, certes,
En deux matchs, je pense qu'il a marqué 5 ou 6 buts avec Chelsea, mais ces buts qu'il a marqué avec Chelsea, la plupart de ses buts, c'était face à Tottenham. Et Tottenham jouait à 9. Tottenham jouait à 9. Donc, c'est très difficile de tirer une conclusion dans ce match. Certes, il a marqué, mais c'était face à un adversaire en infériorité numérique qui joue à 9 contre 11. 9 contre 11. Donc, moi, je vois souvent les matchs de Chelsea. Je vois souvent les matchs de Nicolas Jackson. Et c'est un mec qui rate beaucoup d'occasions. Il rate beaucoup d'occasions. Et on sait qu'en Cannes, ça peut te coûter très cher. Très, très cher. Donc, c'est un joueur pour moi que le Sénégal ne doit pas faire de lui la tête de gondole. On doit continuer à miser sur Sadio Mané. On doit vraiment continuer à miser sur Sadio Mané parce que Sadio Mané n'a pas besoin d'avoir 3 occasions pour en mettre un but. Ce qui est le cas de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, il faut au moins 5-6 occasions pour mettre un but. Et lorsque tu joues une grande compétition comme la CAN, il te faut convertir un maximum d'occasions. Il te faut être très clinique. Tu dois vraiment être très clinique pour vraiment tuer le match. Parce que si tu ne tues pas le match, ça sera très compliqué pour toi, dire. Ça sera vraiment très compliqué pour toi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit que Nicolas Jackson, les amis, il ne doit pas être au centre du projet. Parce que je le trouve encore moins clinique. C'est un jeu qui rate encore beaucoup d'occasions. C'est un jeu qui manque encore d'efficacité. Et comme je l'ai dit, lorsque tu manques d'efficacité pendant la CAN, ça peut te coûter très cher. Après, il faut aussi le souligner, ça fait très longtemps que le Sénégal n'avait plus eu un avant-centre aussi du calibre de Nicolas Jackson. Donc, c'est aussi un joueur qui va apporter, mais à dire que c'est lui qui va être au centre du projet, au cœur du projet, devant Sadio Mané, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Sadio Mané, les amis, malgré son âge, malgré son championnat actuel, moi je trouve qu'il reste le meilleur joueur du Sénégal à l'heure actuelle. Pour moi, c'est le meilleur joueur du Sénégal. Et pourquoi s'en priver du meilleur joueur? Pourquoi ne pas construire autour de son meilleur joueur? Donc, Sadio Mané, les amis, oui, il ne joue plus à Liverpool, il ne joue plus au Bayern de Munich, mais il marque encore des buts, il est performant, il peut vraiment encore apporter à cette équipe du Sénégal. Il peut vraiment apporter. Là où le Sénégal peut être moins bon, c'est derrière. Koulibaly, ce n'est plus le Koulibaly qu'on a connu. Edouard Mendy, les amis, Edouard Mendy, il est un peu inquiétant, les gars. Il est inquiétant. Lorsque je vois ces matchs en Saoudi Pro League, ça fait de bout. Ça, ce n'est plus trop rassurant comme dans le passé. C'est un gardien qui ne rassure plus. C'est un gardien qui fait beaucoup d'erreurs. Donc, les amis, je ne suis pas trop rassuré sur le secteur défensif du Sénégal, notamment au poste de gardien, notamment. Et ça sera très compliqué pour Alou Cissé de faire sortir Edouard Mendy du 11. Parce que s'il part avec Edouard Mendy à la CAN, c'est pour être titulaire. Sinon, tu ne l'appelles pas. Tu ne l'appelles pas. Je ne vois pas Alou Cissé appeler Edouard Mendy et lui faire comprendre que non, tu seras sur le banc. Soit tu ne l'appelles pas, soit tu l'appelles, il est titulaire. C'est comme ça que moi je vois les choses. Donc, Edouard Mendy, les amis, si pas la CAN, c'est pour être titulaire. En même temps, je suis inquiet pour son niveau actuel. Je suis vraiment inquiet pour son niveau actuel. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que Nicolas Jackson doit être au centre du projet au détriment de Sadio Mané? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont aussi à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.